pavois qui est au sol. Il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dans ce pavois pour déposer cette gerbe. Juste devant, donc, la flamme symbolise la mémoire éternelle de ces combattants. C'est moins une quand même de ne pas se prendre les pieds derrière. C'est honnêtement, pour ceux qui font ce dépôt, je l'ai fait, c'est toujours parce que c'est un moment extrêmement solennel, vous ne pouvez pas vous permettre de chuter. Et ça, c'est le meilleur. C'est Villeray. Villeray-Hollande. Dans le dîner de con. C'est très bien. Oh, magnifique. Ça, c'est du week-end. C'est du week-end, ça. Après l'émission, on se retrouve tranquille. Non, mais pourquoi après l'émission? Tout de suite, un coiffeur. Coiffeur. Un coiffeur. Monsieur, s'il vous plaît. Petite messe au moins. Un petit peu, putain. C'est beaucoup trop. Déjà avec les anciennes plaques, il y avait déjà quelques soucis liés aux combinaisons des lettres sur lesquelles on pouvait tomber. Comme ce propriétaire, enfin, qui n'a pas de chance que c'est immatriculé CQQ. Il y a ce genre de plaque aussi où là, ça peut faire plaisir à un supporter, mais ça peut être vraiment... gênant si par exemple on supporte l'OM. DSK, CRS ou encore WC, depuis 2009 et l'instauration du système à 4 lettres, des plaques encore plus insolites ont fait leur apparition. AMPE, ANAL et même KK.